Bonjour, j'ai beaucoup de questions sur mais comment on fait pour élever les enfants quand ils ne veulent pas faire quelque chose et que nous on a peur. Eh bien c'est tout simple, on leur dit qu'on a peur et on dit je, on exprime ses limites à soi et ses besoins. Donc on lui dit je vois que tu veux aller jouer avec le chien et en même temps moi j'ai très très peur qu'il te morde. J'ai peur, j'ai pas confiance, je ne le connais pas. Donc moi comme je ne sais pas, eh bien, tu ne peux pas y aller. Donc, c'est en exprimant vos peurs à vous, même si elles ne sont pas justifiées, ou vous avez le droit d'avoir peur des chiens, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est vous qui avez peur. Vous ne lui dites pas non, c'est interdit parce que j'ai décidé et c'est arbitraire. Ou non, parce que je n'écoute pas ce que toi, tu as envie. Ou non, tu n'as pas du tout de place et de parole dans l'éducation. Non, dans l'éducation démocratique, bienveillante, on va montrer qu'on a entendu sa demande, mais que nous, ben, il y a des fois où on ne peut pas. Et donc, il faut admettre qu'on a des limites, mais en disant j'ai peur que, et non pas tu ne peux pas faire ça. Voilà, donc osez dire vos propres limites.